C'est vrai qu'on revient de loin. Moi, ça fait donc une trentaine d'années que j'ai commencé, et assez vite, je me suis fait une réputation de quelqu'un qui connaît les plantes, et c'est vrai que quand j'ai commencé, effectivement, la plupart des gens connaissaient vraiment rien. En sortie du pissenlit et de l'ortie, aujourd'hui, c'est plus vrai quand même. Et il y a un vrai retour vers les plantes, la culture des plantes est en train d'être revitalisée, et aujourd'hui, quand même, les gens connaissent de mieux en mieux les plantes. Alors des fois, c'est vrai qu'ils passent à côté sans même les voir. Parce que c'est souvent pour beaucoup de gens, même à la campagne, j'allais dire citadin, mais pas que, c'est des fois des produits qu'on achète sur internet ou qu'on voit dans un magazine, et des fois c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'ils sont vraiment juste au pied de la maison, sous nos pas quand on marche, ils sont souvent beaucoup plus proches qu'on l'imagine. Il y a de l'ortie, il y a de la ronce, il y a du sureau, il y a de l'aubépine, du calendula, de la feuille de myrtille, enfin voilà, c'est des plantes comme ça, c'est ce qu'on appelle les simples. En France, on a un peu plus de 6000 hectares maintenant, c'est des données 2015. Il y a à peu près 20, 23, 25 groupements de producteurs, donc essentiellement basés dans le sud-est de la France. Les nouvelles installations en France sont plutôt 100% bio. Il y a à peu près une centaine d'espèces produites en France. On retrouve beaucoup de production de palmes chez des polyculteurs éleveurs, donc il y a toujours une partie d'élevage sur les fermes et quelques hectares de palmes. On retrouve aussi chez les polyculteurs, ça c'est des nouveaux profils, plutôt type profil céréalier. Et à côté, on développe quelques surfaces de quelques mètres carrés à quelques hectares de palmes. Et évidemment, les spécialistes des plantes. Et depuis, on va dire, 3-4 ans, on pourrait trouver un nouveau profil. C'est les producteurs qui s'installent plutôt en palmes, en maraîchage et petits fruits. C'est le profil que l'on voit vraiment se développer. On voit qu'en plantes aromatiques, il y a quand même en fait 38% des fermes qui transforment. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a à peu près une ferme sur 3, un peu plus, qui pratique la transformation en fait, sur plantes. Il y a à peu près 54% des fermes qui produisent des palmes qui en fait font de la vente directe plutôt à la ferme. Donc voilà. Moi j'avais deux questions pour justement une installation, quel moyen de communication on peut mettre en place. Et aussi si vous ressentez aujourd'hui un besoin d'engager des chefs de culture. C'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup d'entreprises de toute taille qui disent qu'il y a vraiment un énorme besoin en chefs de culture. Et voilà. Pour mes camarades, pour savoir si on va avoir du travail après la formation, tout ça. Ils sont mignons. On a plus besoin de jeunes qui s'installeraient, qui réfléchiraient à un projet plante. On a une expérience avec un jeune qui s'est installé il y a maintenant 3 ou 4 ans. Et nous, le discours, c'était de lui dire ok, on t'accompagne, mais on lui a conseillé de ne pas raisonner que plante médicinale. On lui a conseillé de raisonner un peu plus large. Il fait aussi de la semence, enfin des semences potagères. Il fait un peu de céréales. Mais de raisonner plus largement secteur végétal. Donc moi, ce que je dirais aux ceux qui veulent se lancer dedans, c'est de ne pas avoir que des plantes médicinales. C'est d'avoir une rotation longue, si possible, pour pouvoir pallier un problème de salissement sur une parcelle, pour pouvoir débrayer la parcelle, la mettre en autre culture, pendant quelques années, et revenir ensuite en plante médicinale. Donc on est très vigilant là-dessus. Prudence, patience. Alors après, c'est passionnant. C'est vrai que voilà, faut être passionné dans la vie et faire ce qu'on aime. Après, quand on s'installe, il faut s'encadrer. Il faut jamais rester tout seul. Donc il faut impérativement, vous soyez en lien avec d'autres producteurs, là il y a des organismes de producteurs aussi. Il faut être en lien avec des gens qui sont déjà dans la profession. Parce qu'ils vont vous aiguiller sur ce qui peut se faire, sur les problèmes techniques, sur les marchés, sur un tas de choses. Mais avant de prendre de l'autonomie, il faut avoir de l'expérience. Est-ce qu'il y a un critère commun, un circuit court ou un circuit long, sur la qualité du produit ? Ben, je pense qu'un des critères principaux, c'est la propreté. La propreté ? Ça, c'est le premier critère. Si vous avez si vous récoltez, c'est dégueulasse, vous allez ramer pour le vendre. Que ce soit un circuit court ou long, c'est vraiment un critère commun. Ça, c'est le premier critère, et l'aspect visuel. Donc si c'est mal séché, si ça n'a pas la bonne couleur... Oui, après, sur les circuits longs, quand on travaille avec des clients qui sont plutôt dans le domaine de l'herboristerie, là, on est vraiment sur des critères très proches.
Il regarde le côté visuel, la bactérie, voir si elle est bonne, le type de coupe, le tamisage, enfin tout ça, il faut que ça soit bien calibré. Bon, parce qu'en fait, ils mettent un produit sur le marché, sous sachet, donc faut que ça soit joli, quoi. Il faut qu'il y ait de la saveur, il faut qu'il y ait de l'odeur, il faut qu'il y ait tout ça. Après, quand on est sur des produits plus transformés, bon, ben, ces critères-là visuels sont moins importants. À la limite, la plante, si elle n'est pas belle, c'est pas très grave. Si à partir du moment où elle a des actifs présents et en quantité, ça passe. Par rapport au faire connaître, enfin, nous, on organise des portes ouvertes chaque année pour essayer de faire découvrir ce qu'on fait, comment on travaille, présenter nos outils, présenter notre faire. Ce que j'observe, c'est que c'est des moments pour moi-même me rendre aussi à d'autres fermes de maraîchers ou de gens qui font ça. Il y a beaucoup de monde qui se déplace, les gens sont présents et sont curieux, posent des questions. Donc ben voilà, après on peut mettre en place aussi des outils de communication pour se faire connaître, les sites internet, etc. Mais enfin, je trouve que la relation, c'est plus facile. Notre objectif en diversifiant dans la plante aromatique, c'était de dire on a un outil de production, on a du matériel, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce matériel? On avait cette serre pour produire nos plantes salables. On s'est dit on va appliquer aux plantes aromatiques ce qu'on faisait en salade. Et la première année où on a commencé en 2008 avec donc 5000 m² de camomille romaine et un peu plus de 2000 m² de pensée sauvage, on a appliqué la même façon de procéder, c'est-à-dire que la salade, au printemps, on l'a plantée sur paillage plastique biodégradable pour éviter des problèmes d'enherbement. Notre avantage, c'est qu'on produit nos propres plants. Donc, on sait maintenant, avec le recul, quand est-ce qu'il faut qu'on fasse nos plants pour qu'ils soient l'optimum de la plantation. On s'aperçoit depuis quelques mois qu'il y a une demande supplémentaire qui se fait en panne. On le voit, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, que ce soit en conventionnel ou en bio. Il y a des gros projets qui se montrent. Il y a une demande de Laval. Non, il y a des producteurs qui se mettent en place et en production, qui veulent produire et il y en a qui vont se donner les moyens de produire en mettant en place des distilleries et tout ça, quoi. Donc ça peut inquiéter, la filière est bien structurée quand même, mais je pense qu'il faut quand même être prudent. Ça risque de faire comme toutes les productions qui ont un intérêt. Beaucoup de personnes s'y mettent dessus. Le marché se casse la gueule. Et puis après, il faudra falloir batailler pour remonter quelque chose. C'est pareil que c'est géranium. Ça, c'est un géranium qui doit avoir 3 ans en plantation. On a dû faire 2 récoltes dessus. Et du coup, vous avez abandonné le paillage plastique pour le paillage sol tissé. En intérieur, oui. Oui. Qu'en intérieur. Qu'en intérieur, tout à fait. Pour le géranium. Et ce qu'on a mis à côté là-bas, c'est quand on fait nos plants, c'est dans des caisses. On pose dessus, ça évite les problèmes d'enherbement à travers les plateaux. Elles sont repiquées ou posées? Non, là, elles sont juste posées. Ah ouais, d'accord. Elles sont juste posées. On a arraché ça la semaine dernière, donc ça n'a pas raciné, mais le fait de les garder comme ça. Ça suffit. Oui, les petites plantes vont émettre des racines et puis après ça va s'ancrer. Il n'y a pas de souci après par la suite. Ça, vous y avez arraché en plein champ. Là, vous les mettez là en transition, c'est-à-dire que ça va faire de la racine et ensuite vous rééclatez pour mettre dans les mottes. Tout à fait. Et pour replanter dehors. Oui. Entendu. C'est notre assurance risque, quoi. Au moins, on sait qu'on a ça sous serre. Si ça gèle dehors. Si ça gèle, voilà. Donc en fait, même si t'as un tout petit bout de verre qui dépasse de ta motte, tu t'en fous. C'est vraiment la base de la plante qui va reprendre. D'accord, donc tu la poses, quoi. Voilà, quasiment tu la poses. Ouais. C'est vraiment une plante qu'il ne faut pas planter. Tu vois, d'ailleurs, quand tu vois le port qu'elle a, elle a vraiment un port rampant et c'est vraiment ce qui est essentiel. Ici, c'est argile limoneux avec beaucoup de matière organique. C'est des super sols, là, ici, là. Du coup, c'est quand même déjà assez frais. Donc, pour les menthes, c'est top. Et puis, voilà. Donc là, elle a attaqué sa troisième année. Et donc là, on a deux options. Là. Soit on rattaque à la binée là, pour la raccourcir sur le rang et puis pour qu'elle reparte bien. Soit, et en fait, on va la changer. Celle-là, on va la dégommer parce qu'on va changer de cultivar.
parce qu'elle nous fait toujours trop de mentone. Et la mentone, c'est un refus de, des labos ou... Non, il n'y a pas de refus. Mais c'est juste que du coup, on pourrait avoir des notes un petit peu différentes, tu vois. Et puis, n'empêche, du coup, le fait que... Parce qu'en fait, tu passes de la famille des alcools à la famille des cétones, en fait, quand ton mentholis se transforme. Et notamment aussi, donc, pour tous les aspects, tous les aspects de la digestion, tout ça, tu vas garder tout ça très bien. Après, du coup, l'effet froid, tu vas chercher, en fait, l'effet antalgique par effet froid sur les tempes et tout ça, tu vas l'avoir un peu moins, tu vois. Du coup, c'est ça qui est intéressant quand même, d'en développer un peu plus ton mental. Tu travailles en traction ? Alors voilà, nous sur la ferme, du coup, on utilise beaucoup le tracteur pour les préparations de sol. Par contre, par la suite, en fait, à partir du moment où les plantes sont en terre, c'est que le cheval qui entretient les cultures, quoi. Voilà. Il n'y a pas de motorisation dans tout le process du végétal, quoi. Donc voilà, petit à petit, on s'équipe pour essayer de faire tout le travail du sol en traction animale, mais que ça soit efficace et pertinent. Et ça, c'est un vrai choix qu'on a fait, plutôt que d'utiliser des paillages plastiques. Hein, c'est très fréquemment utilisé, que ce soit en maraîchage ou en plantes aromatiques, notamment. Le paillage platique, c'est pas mal, souvent pour des petites unités de production, justement. Les gens sont pas toujours envie de s'équiper avec des motoculteurs, voire des tracteurs. Et du coup, la solution paillage plastique, c'est souvent celle qui est la plus fréquemment utilisée, quoi. Et nous, on veut tout faire pour éviter ça, voilà. On estime que l'agriculture, elle utilise déjà bien assez d'artifices. Donc on va essayer de diminuer le plus possible, quoi. Et aujourd'hui, du coup, on a quand même une seule jument l'année dernière qui entretenait quand même 3 hectares et demi de culture, quoi. Et ça, tu peux nous ça vaut 5000 euros. Il ne faut pas penser traction animale forcément rapport à l'économie. Quoi. Non, tu montrais que ça a un coût quand même. Du coup, ah ouais, matériel, mais c'est clair. Ah ouais, bien sûr. Cheval, entretien, ça, bien sûr, bien sûr. Si on veut sortir de la vieille bineuse rouillée, tu vois. Plus la formation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça ne correspond pas à tout le monde. Hein. La traction animale ne prétend pas sauver le monde. Voilà, et avec ce type d'outil là, c'est vraiment le but, c'est d'éviter le plus possible quoi, et de quasiment pas passer à la main en fait hein, sur les cultures, que ce soit du légume ou des plantes aromatiques. Du coup, on peut vraiment s'économiser les passages à la main quoi. Il faut réussir à trouver le compromis entre le gros motoculteur de la guerre et le petit motoculteur qui soit facile à utiliser mais puissant quoi. La région et l'Europe nous aident à 50% sur 8000 euros de demande d'aide quoi. L'Europe aide l'attraction animale, sachez-le. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Incroyable, hein ? On a toujours pour les autres, mais c'est pas vrai. Voilà, ouais, alors le compromis, ça dure. Ouais, non, ça va pas durer. Hein. Mais il y en a qui veulent faire ma chérie. En réalité, c'est vrai, on échappe à la loi parce qu'on est très petit, qu'on est très libre, très autonome. On vise à l'autonomie des gens en plus, on vise à l'autonomie de nos clients. Enfin, on ne cherche pas à faire du fric sur leur dos, au contraire. Je sais que la plupart d'entre nous, on leur dit « mais ramassez l'ortie dans votre jardin, autant que vous en avez, etc. » Donc, on n'est pas du tout des industriels, on ne cherche pas à s'enrichir. Et on vise à l'autonomie des gens. Et évidemment, là, on se rend bien compte que les réglementations veulent le contraire. C'est-à-dire que les gens ne s'autonomisent pas du tout, mais qu'au contraire, tout soit prévu, organisé, étiqueté, rangé dans des cases, etc. Et c'est vrai que je pense qu'aucun d'entre nous ne peut s'y retrouver. En fait. Entrer dans ce règlement, ça implique de changer de métier. On ne peut pas continuer le métier tel qu'on le fait actuellement en rentrant dans ces cases-là. Donc soit on continue le métier qu'on a choisi, qui nous plaît, soit on décide de faire un choix qui se dirige vers le côté industriel, où peut-être on peut arriver à rentrer dans ces coups-là. Mais le métier tel qu'on le fait actuellement, en étant très diversifié, je ne vois pas comment c'est possible. Il y a un règlement, il y en a une partie, je ne vais pas réussir à l'appliquer jusqu'au bout. Je vais faire du mieux que je peux, je ne rentrerai pas dans les clous, ça c'est pas... Ma foi, c'est pas très grave. Je ne me considère pas comme quelqu'un de dangereux. Je ne vends pas des plantes qui sont dangereuses avec, de toute façon, des doses qui, même si vous prenez le sachet entier, c'est pas très, très grave. Le règlement, il est là. Il est bien parce que sinon, les industriels, ils en feraient encore plus de saloperies autour de nous. Donc, ma foi, peut-être il est un peu trop drastique pour nous. Peut-être qu'il n'est pas adapté, qu'on essaye de le modifier. On fait comme on peut. Il ne faudrait pas couper le contact. En tout cas, je m'aperçois qu'il n'y a personne dans cette salle
qui est capable de se conformer à la réglementation. Ça, c'est un fait. C'est un fait. C'est des entreprises, c'est des gens qui sont une existence légale, qui travaillent, certains depuis des dizaines d'années. Et voilà, on est devant ce constat-là. Alors, je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Moi, ce que je pense, c'est qu'on voit qu'il n'y a rien qui est fait pour nous. Donc, ça, c'est clair. Donc, peut-être c'est à nous, maintenant, de proposer quelque chose qui nous corresponde vraiment et qu'on fasse des propositions claires, qu'on soit capable aussi d'amener ça, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « c'est pas adapté », on peut leur dire « voilà ce qui est adapté pour nous avec la diversité qu'on est, quoi ». Pour qu'au niveau des instances politiques, ministères, etc., qu'ils comprennent mieux et qu'ils puissent se dire « oui, ça, on pourrait peut-être le faire entrer dans des cases inexistantes, mais créer ces cases-là, quoi ». Voilà. 63% des Français qui font confiance à la phytothérapie. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Et 45% qui disent avoir recours à la phytothérapie. Et il y en a 30%, quasiment 30% qui donnent la priorité devant la médecine classique. Donc on voit bien qu'on est à une mutation, quoi. La confiance aveugle dans le médicament, elle est derrière, quoi. Il y a un vrai basculement, ça c'est sûr. Plus d'un Français sur trois utilise les plantes en complément de sa médecine classique. Donc c'est pas aussi ce que voudraient faire croire les pharmaciens ou l'ordre des médecins, les gens qui arrêtent leurs médicaments pour arrêter la plante, c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, on a la chance à notre époque d'avoir plein d'offres de soins et on ne voit pas juste. Il n'y a pas de dichotomie, quoi. Il y en a quelques-uns. C'est sûr qu'il y a des anti-plantes ou des anti-médicaments, mais finalement, c'est pas la majorité des gens, ça tombe. Vous avez un peu d'infos. Donc, on s'était retrouvé l'an dernier à participer Joël Labbé, donc un sénateur vert. Et donc l'herboristerie l'intéresse. Il y avait eu un projet de loi qui n'avait pas vu le jour, mais qui avait été proposé en 2011 par un sénateur aussi breton, Jean-Luc Fichet, qui est là, donc Joël décide de le reprendre. On s'est dit, on a du mal à rentrer dans les cases, bah, faut peut-être savoir qui on est et revendiquer quelque chose. Et a émergé le terme de paysan herboriste. Et donc ça nous a décidé à faire une fédération de paysans herboristes. Puis, ouais, le sénateur a bien dit, si on voulait défendre un projet de loi exister véritablement en tant que producteur, l'intérêt c'était d'être unifié, quoi. Et donc ont répondu favorablement, ils sont aujourd'hui cofondateurs de la Fédération des paysans herboristes, et ben, le mouvement d'agriculture biodynamique, la FNAB est simple. Voilà. On ne désespère pas d'allier la CONF et d'allier d'autres. Nature et progrès. C'est encore en discussion. Pour l'instant, ils ont pas un point. Alors l'idée, c'est pas forcément de refaire une nouvelle structure où il y aura encore plein de réunions, plein d'assemblées générales, plein de trucs, plein de machins, encore des cotisations, tout ça. C'est de pouvoir rassembler large et d'être un interlocuteur avec les pouvoirs publics dans le cadre de la proposition de loi. Donc ça doit faire à peu près pas loin du millier de producteurs, je pense. C'est vrai que c'est assez représentatif. Donc pour l'instant, les actions qui ont été faites cette année, c'est tout jeune, hein, ça a quelques mois. Hein. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une enquête en ligne auprès du consommateur, parce que le consommateur, c'est souvent le grand oublié de toutes les négociations. On lui demande rarement son avis, sauf pour lui demander des sous, maintenant, ou de financer des projets, ou de signer des pétitions. Et là, nous, on a voulu qu'il s'exprime plus largement. Et donc, il y a une enquête en ligne sur cette adresse, www.paysan-herboriste.org. Vous avez une enquête destinée aux consommateurs. La date butoir, on va l'arrêter au 1er décembre. Alors c'est assez encourageant, il y a à peu près 900 réponses, ce qui est quand même pas mal. Et cette enquête, en fait, elle demande aux consommateurs pourquoi ils consomment des plantes, dans quelle situation, quelles plantes ils consomment, de quelle manière, sous quelle forme, vers qui ils se tournent pour obtenir des informations ou des conseils. Et puis aussi, dans les dernières questions, comment ils imaginent l'herboriste ou le paysan herboriste de demain dans la société française, quelle place, quelle... Voilà. Et de toute façon, aussi, ça sera vraiment un très beau matériau pour des études sociologiques ou ethnologiques. Ça va faire de la matière pour dire que oui, aujourd'hui en France, il y a des gens qui consomment des plantes, qui ont envie d'en consommer et qui souhaitent que ça évolue. Et que le projet de loi va proposer une herboristerie locale avec des plantes locales et principalement une production locale, écologique aussi, avec des plantes bio. Donc voilà, il y a un profil qui est quand même raciné. Et en gros, ce qu'on demande, c'est que demain, il y ait des gens qui puissent vendre des plantes en pouvant légalement donner des allégations établies, traditionnelles, bien établies, qu'elles soient thérapeutiques ou physiologiques. Donc c'est un peu ça ce projet, c'est de faire sauter le verrou de ces allégations qui aujourd'hui sont uniquement réservées aux pharmaciens. Donc c'est de faire avancer les choses. Moi je pense ce qui est très très bien, c'est qu'avant il y en avait quelques-uns comme Thierry qui prenaient des risques
important à être à la télé, etc., à dire oui, je donne des allégations. Et là, clairement, de plus en plus, on se rend compte que tous, on est en train de l'affirmer plus clairement. Bon, peut-être. Mais la télé, je pouvais parce que je vendais pas de plantes. Mais ça, c'est quand même bien. Et du coup, pour les jeunes qui veulent s'installer, de leur dire ben voilà, on travaille quand même pour que les choses changent. Bon, c'est pas la seule voie. La voie législative, c'est pas la seule voie pour avancer. Hein. Mais c'est une des voies, à mon avis, sur lesquelles, si on n'y va pas, en tous les cas, il ne faudra pas nous dire après qu'on fasse uniquement gueuler. C'est-à-dire que si on y est, on essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quoi. Alors simplement, rapidement, il y a une question qui est vraiment en amont de la distillation, mais qui est très importante, c'est le côté botanique. La compréhension de la plante. Pourquoi la plante fabrique cette huile essentielle? Parce que la plante, elle ne fabrique pas de l'huile essentielle pour que nous, on la mette dans des flacons et qu'on se la mette sur la peau. Elle fabrique ça parce qu'elle en a besoin pour son système de défense ou de multiplication. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui l'amènent à fabriquer de l'huile essentielle. Le côté botanique, la connaissance de la plante, vont vous aider à comprendre la plante et à savoir où on va trouver l'huile essentielle et comment on va pouvoir aller la chercher. Et on va également avoir des informations sur la composition de l'huile essentielle, etc. C'est un domaine qui est passionnant, mais scientifiquement encore largement inexploré aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on est loin de savoir tout, mais il y a plusieurs grands mécanismes en fait. Il y a soit les mécanismes d'attraction des pollinisateurs, c'est-à-dire que la plante, elle émet des substances pour faire venir à elle les pollinisateurs, donc qui vont améliorer donc sa survie. Et vous avez bien souvent aussi des mécanismes de défense. Alors ça va être des mécanismes de défense contre les prédateurs vis-à-vis de la concurrence d'autres plantes, etc. Mais toujours pour assurer sa survie, d'une façon ou d'une autre. Donc la cuve fait 500 litres et celle-ci, elle fait 1500 litres. Et donc vous avez deux cuves avec les serpentins, avec le refroidisseur qui sont là. Donc à l'intérieur de la chaudière, c'est rempli d'eau à peu près jusqu'ici. Donc là, ça va bouillir. La vapeur, ensuite, elle va s'élever au-dessus du plan d'eau. Elle va retraverser ce qu'on appelle un surchauffeur pour surchauffer la vapeur pour qu'elle soit plus éloignée de son point de condensation. Et ensuite, on va aller l'injecter. Vous avez une vanne pour la grosse cuve et une autre vanne pour choisir l'autre cuve. Ça traverse les plantes. Et là, on a donc le serpentin pour refroidissement. Le bout du serpentin arrive ici. Et on arrive dans l'essentiel qui va faire donc la séparation de l'hydrolat et de l'huile essentielle. L'huile essentielle va remonter en surface. L'hydrolat va passer par en dessous et va ressortir ici. Là, soit on va le récupérer, soit on va le jeter s'il n'est pas valorisé. Normalement, il faut bien tasser, pas que la vapeur passe. Non, pas dans le main. Non, c'est pour ça qu'il faut le serrer. Si j'ouvre d'un coup là, je vais faire un appel de vapeur, mais en même temps, je vais aspirer de l'eau. Donc, j'ouvre doucement, sans faire d'à-coups. Voilà, là vous voyez ça sort. Il y a de l'eau qui coule là. Voilà. Parce que là, toute la vapeur qui arrive, elle se condense sur le teint qui est froid. Donc elle se retransforme en eau tout de suite. Donc ça ne peut pas être en pression ici, c'est impossible. Bien. Pas mal. Ça veut dire que cette partie-là, elle est chaude. Elle va se mettre en début de distillation. Celle-là continue à se réchauffer. Là, j'arrive en haut, on va voir le phénomène de dégazage, dont on a parlé ce matin. Et après, ça va commencer à. Voilà, à peine, même moins. Même moins qu'un petit matin. Alors, c'est là qu'il faudra faire attention parce que. Le début de distillation, c'est pas la même composition que la fin. Donc après, il faudra refaire la communelle de l'ensemble pour avoir une huile essentielle qui est complète. Je remélange tout. Et oui, parce que sinon, le début ne sera pas le même. Il y a de la matière organique.
vois les petits cheveux là. Ouais, une petite saleté, ouais. Le truc. Il y a un chat qui travaille, je sais pas, mais. En même temps, on baigne dedans depuis le début de la distillation. Oui, ça sent. Ah oui, il y a un ballon. Il y a un ballon. Ça va être frais. Mais je pense que quand tu rentres chez toi et que tu la ressens ce soir, que tu auras eu plein d'odeurs d'autres, tu sentiras bon vrai. Donc ça. C'est tombé. Qui c'est qui m'a Les décès ou les accidents mortels par ingestion de plantes en Europe, ça se compte sur les doigts de la main chaque année. Dans le même temps, l'industrie du médicament, c'est les chiffres officiels en France, c'est 20 000 décès par an. Donc voilà, il y a des peurs quand même qui sont irraisonnées, qui sont absolument pas rationnelles, quoi. Si on applique vraiment la logique qui est industrielle et qui est scientiste, la plante elle va disparaître. Parce que c'est un objet qui est vraiment ambigu, qui est multifonction, qui est assez insaisissable du point de vue scientifique. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on les supprime, les plantes. Et c'est quelque chose qu'on efface dans notre culture. En termes d'usage, en termes de savoir, de savoir-faire, en termes de consommation. Ça, c'est un choix de société. Si on veut pouvoir la conserver, la transmettre aux générations futures, et qu'on pense qu'elle a encore une place dans notre société, et je pense qu'il y a plein de gens qui prouvent par l'intérêt grandissant qu'elle suscite, et bien à ce moment-là, il faut vraiment changer de type d'approche. Et aussi intégrer la notion de tradition, la notion d'empirisme, des choses qui ont fait leurs preuves.